Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Darkest Dungeon 2. Alors, j'ai fait une run. J'ai fait une run sur le jeu. Ah oui, le son doit être faible pour vous. Là, le son est trop fort pour moi. Donc oui, voilà, je faisais une run, moi là, de mon côté. Je faisais un petit peu des runs sur Darkest Dungeon 2. Je mourais, j'ai perdu ma progression, sale histoire. Bon, voilà, hein, c'est les aléas d'une early access, hein, et voilà. Et bon, du coup, je faisais une partie. J'ai commencé avec une des nouvelles classes donc, qui est l'évadé, enfin la nouvelle classe en fait, classe qu'on connaissait pas du tout, qui utilise du feu. Et c'est sympa, mais elle est morte. Ou c'est peut-être la furie qui est morte en premier. Non, je crois que c'est la furie qui est morte en premier. Oui, ça. La fu voilà, je joue avec la furie et une évadée. La furie est morte, puis l'évadée est morte. Ce qui fait que, en fait, dans ce jeu, quand il y a un mort, t'as quelqu'un de nouveau qui vient. Alors je crois que je me suis jamais retrouvé dans la situation où j'étais deux. Donc je sais pas s'il y en a deux qui peuvent venir à ce moment-là. Je crois. Il semble pas en tout cas avoir testé ça. Mais en tout cas voilà, du coup on a eu Kakashi et Eligios qui nous ont rejoints. Là où on a Gaster et Jacket. Voilà. Ref ou non évidente. Il y a aussi une ref perso. Enfin, voire deux même d'ailleurs en fait, complètement. Mais bon, écoutez. Du coup, on est dans la montagne. Oui, hein, voilà, le truc c'est qu'on est dans la montagne en fait. Alors, la map, évidemment. La map. Les caractères, hein, voilà, mes persos. Mes persos, ils se détestent pas. C'est un miracle. En vrai, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y en ait deux qui soient morts. Et vu que c'était deux personnes qui s'entendaient pas trop avec le reste du groupe, voilà. T'as 90. Ah ouais. Ah, parce qu'on a la flamme aussi. Bon, pareil, niveau talent. Alors, on regardait pas Gaster, c'est Gaster, quoi. Donc oui, les reliques, moins de stress, 25% de chance de stress en moins en début de tour. En agonie, une chance d'action supplémentaire, parce que bon, bah, en plus, sur le heal, ça peut être bien. Bon, voilà, je vous ai dit, regardez pas les spells de Gaster, c'est autre chose. Mais 90 quand même. Hein. Oh oui, Eligios c'est très populaire. Pacificatrice, donc ça c'est bien. Ça c'est moins bien. Et voilà, bon, voilà, bon, voilà. Bon, voilà, détrait. Kakashi, bon, il a une plaie crânienne. Bon, ça c'est le Sharingan, hein, on n'y peut rien. C'est en début de combat, donc ça va. Plus un PV max, plus de speed. Et je lui ai mis ça. C'est pour lui uniquement, donc je lui ai mis ça. Voilà, il aime Eligios. Ensuite, on a du coup, voilà, Eligios qui est inébranlable. Mais en plus, c'est le dernier que j'ai eu. Donc en vrai, il a pas eu le temps de récupérer trop de trucs et il a eu que des bonus. Donc c'est bien. Bon, il a le track par contre. Ça, c'est chiant. Mais. En plus, il a un taunt naturel. Donc je lui mets Ah ouais, j'avais pas fait gaffe à ça. Oh, c'est cool ça. Et vous voyez, et tout le monde l'aime. C'est incroyable, tout le monde l'aime. Il a 95% de chance de résister. Est-ce que je l'ai encore? J'avais une breloque qui résistait de. Qui m'a été d'ajouter 6% de résistance. Je l'ai plus. Mais à la mort, ça aurait été bien. Ça aurait été trop cool en vrai. Et j'ai ça aussi en objet en plus. Voilà. Donc en vrai, on n'est pas trop mal. C'est la première fois que je suis sur la montagne. J'ai peur. Je vous avoue, j'ai peur. Ah mais du coup non, en fait si. Si en fait on était. Non, je crois qu'on est. J'ai fait un donjon à 3. J'ai fait un donjon à 3 en fait. Bon, combat ou combat? Bon, combat avec faiblesse, hein. En plus, ça améliore la relation entre les deux là. Donc c'est bien. Alors ça, je l'ai déjà vu. Ah, j'ai affronté deux boss aussi. Au passage. Il y en a un, ça s'est pas très bien passé, mais enfin, je les ai battus les deux. Mais il y en a un, c'est vraiment pas bien passé. J'étais vraiment à l'agonie, ils se détestaient tous. Ah non, non, ça s'est pas bien passé, j'étais mort, je crois. Non, si, je crois que j'étais mort au final. Peut-être que j'étais, il m'en restait un, donc enfin, c'était vraiment pas bien passé. Et l'autre, j'avais réussi à le battre et ça allait à peu près. Je me rappelle plus trop. Mais c'était un truc comme ça un peu, hein. C'était pas ça, mais c'était un truc comme ça.
Et ça, en fait, non, je l'ai pas affronté, Cardinal. Ah oui, je vous ai pas montré les spells, mais ouais. Il joue tard. Non, mais on va focus ça. Hein. Ah, ça a duré qu'un tour. Ah, mais non, il s'est fait attaquer première action. J'ai sûrement dû oublier, mais il s'est sûrement fait attaquer première action. Ça, c'est chiant. Ouais, vas-y, châtiment. J'ai tous les spells, oui. J'ai tous les spells du médecin de peste. Bon, évidemment, j'ai tous les spells du médecin de peste. Et il y a ça, notamment, qui est trop fort. Mais que je n'utilise pas. Parce que il faut l'utiliser en troisième position. Et pour l'instant, c'est un peu chiant. Même s'il faudrait que je mette la chasseuse de prime en quatrième position. Mais bon. C'est-à-dire enlever la pioche. Et j'ai pas vraiment de spell pour changer. Donc on va faire ça. C'est esquivé, mais au moins on enlève l'esquive. Donc c'est bien. Et toi, tu fais ça. Bon, évidemment, t'es faible, mais tu fais ça. Mais est-ce que je fais vapeur de force pour lui enlever le malus? Bah non. Bah du coup, non, en fait. Tant pis. Il aurait eu crit, il aurait pas eu le malus. Hein. J'aime saut. J'aime saut. Voilà, voilà, bah oui, non mais... Ah bah c'est... Ouais, tu... Bon, là c'est lui qui lui a fait un compliment, mais... Mais ouais. J'ai ça aussi. 50% de crit. Je suis à 94% de chance de critique. Parce que oui, elle a un... elle peut augmenter, voilà. Elle, plus 12% de crit, quoi. C'est vénère. Par contre, 14 de dégâts, on a vu mieux, quoi. Faudrait que je fasse un soutien. Tu vas faire un petit soutien. Hein. Ok. Pourquoi il a pas riposté? Salaud! Par contre, il a tout changé, lui. Oui. Non, mais par contre, ouais, les bonus, hein, c'est trop bien. Hein, mais et là, du coup, vu qu'il s'aime bien, c'est bien. Ça, ouais. Ah, mais du coup, ouais, non. Comment ça, il y a un mort? J'ai pas fait gaffe. Ah mais oui, il y a eu un crit. C'est vrai. Oui. On va faire ça plutôt. Le track. On a dit qu'on voulait focus ça à la base. Hein. Après, on l'a pas vraiment focus, lui. Il est mort, enfin, sur son pote, là. Il est juste mort, voilà. C'est les aléas de la vie. Du coup, en fait, mon homme d'armes n'attaque pas directement. Hein, c'est... Faut savoir ça. C'est... Voilà. Il n'y a pas d'attaque directe avec lui. Hein. Persistence will overcome even the greatest of threats. Ouais. Ce sera mieux en termes de dégâts. Gaster, arrête de me décevoir là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait en première position, elle? Putain, pour une fois, quelqu'un aime bien sa technique là. Je crois que c'est la première fois que je vois un truc positif quand tu utilises celle-là. J'avoue que. Je me suis dit, bon, elle se cache, donc peut-être que les gens ils doivent se dire, ouais, elle se cache et tout, c'est pas bien. Non, mais c'est. Enfin, c'est. Oh, c'est incroyable. Bravo. Bravo de vous aimer. Toi, remonte. T'as encore les deux tours en plus, donc c'est parfait. Ouais. S'il te plaît. Bravo. Ben voilà. Voilà. Bravo. Donc, ça s'est bien passé. Là, ça s'est bien passé. On est content. Premier combat, ouais, voilà, bien géré. Bah, je dis ça, j'ai fait au moins un truc avec avec l'homme d'armes. J'ai fait au moins un chemin. Mais en fait, je suis passé par le canal aussi. Et le canal, il y avait des tanières, c'est trop bien. Bon, de toute façon, c'est combat dans tous les cas. Hein. Donc, combat avec l'avantage. Il a rien pris avec l'homme d'armes. Peut-être qu'il était déjà à fond. J'espère. Encore ?
Bah même pattern, hein. Même combat. Mais là, ils sont tous affaiblis. Ah, les deux, hein. Ah, les trois, ouais. Toujours plus. Après, ah, c'est bien, parce qu'en vrai, il y a un truc que j'ai vu aussi, c'est que Science Universelle, le fameux spell... Ah non, c'est pas le spell que j'utilise pas, mais c'est un autre... Ah, ça fait quoi? Ouais. Ça a pas, malheureusement, compensé. Voilà, ce spell-là, qui heal 10%, et qui heal 10% par positive token, en amélioré, il heal aussi par négatif token. Et ça, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort, parce que ça permet de les enlever aussi. Donc ouais, on aime ça. Ah, d'un côté, j'ai envie de le focus lui, mais... Pourquoi t'as pas crit? Mais non, mais la... Ouais, enfin, si, félicite-la, c'est bien, mais elle a pas crit, quoi. Voilà, quoi. Ça aurait été bien, un crit. Bah, continue, hein. Continue à prendre la riposte, hein. Prends tout dans la gueule, mais t'inquiète, ça ira. T'inquiète, j'ai confiance en toi. Y a pas eu d'esquive en plus. Bon, y a pas eu de brûlure non plus, mais... Mais bravo. Allez, on focus ça. Ils ont tous les deux la riposte, mais lui, bon, il va pas l'utiliser tout de suite, quoi. Sauf s'il y a une AOE. Et là, ça crit. Mais ça la blight pas, quoi. Superbe. Oui. Oui, bien sûr. Il heal tout le monde en stress, c'est bien. Bravo. On va faire ça, tant pis. Tant pis, il y avait que lui qui pouvait en bénéficier, mais... Ah, mais... Ah, ça la surbuff. Ça, je comprends, parce que des fois, ça apparaît, mais je sais pas pourquoi. Bon, là, il faudrait que je fasse un soutien, quoi. Boum. Est-ce que je ferais pas un tir de pistage avec lui? Non, ça. Ouais. Ouais, plutôt que le tir de pistage. Hein. Là, on va le soigner. Là, on va faire un petit... Lui, on fait soutien, et lui, on soigne. Hein? Voilà, on va faire ça. Et dehors. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Merci, j'ai eu peur d'huile. Aïe. Bon, c'est vrai que du coup, il saigne plus, j'ai envie de dire... Bah, genre, il saigne plus. Si, il saigne, mais... il est plus infecté, quoi. Allez, ça dégage. Ouais, du coup, lui, il a pris le stress. Bon, vu que ça va se jouer sur un tour encore, donc on va faire ça. Hein. Oh, il est loin. Il est loin. Ça fait rien. Ça a vraiment rien fait. Si, ça l'a marqué. Mais il était déjà marqué. Du coup, ça sert à rien. C'est pas possible. Comment? Comment est-ce que c'est possible? Non, ça. Toi, tu t'enlèves ça déjà. Et tu finis. Mais non, mais vous engueulez. Pourquoi tu t'en... Pourquoi? C'est la fin du tour. J'essaie toujours de comprendre. Des fois, je comprends à peu près. Des fois, là, non. Là, par exemple, non. Ça rebaisse encore de 1. C'est bien. C'est bien, parce que là, on a 56 de flamme. Et à 4 lieues avant l'auberge, lol. Il est où le boss? Ou alors il y a peut-être une auberge avant. La porte du cauchemar.
Only infernal nihility and non-existence. Elle est où mon auberge? Le cerveau. Putain, je suis dans Vive Louisine. C'est Vive Louisine, ça. Ah, oula. Waouh. Oh, c'est les classes des persos. C'est des classes. Et là, en fait, la surprise, tu débloques des classes quand tu gagnes le jeu. Quoi qu'attendez. Parce que ça me fait penser un peu au maître chien. Ça me fait 100% penser à l'abomination. Ça, à l'arbalétrière. Et ça, au fanatique, là. Je crois que c'était fanatique. Je suis pas sûr. J'ai encore un doute. Bref. Ça, je sais pas. Ça, je suis pas sûr. Mais par contre, ils ont tous 75 PV, c'est tous l'enfer. Ah, ils ont pas tous les mêmes résistances. Ah, intéressant. Bloque l'utilisation de compétences ou d'objets de soins de stress. Yes. Pourquoi on est aussi loin au niveau de la POV? À tous, hein. Ok. Faut bien commencer, hein. Ça, c'est cool. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Ça aussi. En vrai, j'aurais dû mettre son sort, là, qui... j'aurais dû la mettre en 3 et mettre son sort. Pour full burst. Parce que contre un boss, c'est les meilleures occasions. La riposte à 13, on est content. Le stress, on n'est pas content. Ah, ils vont. Oh non, 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 mais non, ils s'entendent bien, ils vont plus s'entendre après, non. Non, pas ça. Ah, pas de heal. Ah, on peut maintenant le stress, mais pas le heal. Ok, d'accord. Bon, il bougera pas, mais. Sur le tour, il gagne la... Ouais. Oh, il a pris l'infection. Nice. Bon. On est à moitié content. On va le défendre, comme ça lui, ça lui met de la protec. Il a de la riposte. Bon là, il a plus la riposte. C'est le seul problème. Mais, voilà. Au moins, bon... Ça les rapproche, même si là, du coup, ça les rapproche pas, mais ça les rapproche. Bon, en vrai, il y en a un, il commence à être bien down. Attends, on a peut-être une chance, hein. Ce serait incroyable, hein. Ce serait trop bien, hein. Faut que je remette la riposte. Après, je dis ça... Je le heal ou pas, hein? Ouais. Help, impeccably timed. Toi, tu prends full infection. Non, 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 non. Hein? Compétences bloquées? Oh, je peux pas faire des compétences d'attaque. Ah, le bâtard. Ah, mais c'est pas... Ah, du coup, c'est bien ma compétence, là. Qui font que des dégâts. Compétence de mêlée. Ah ouais, ok. Super. Et lui pourra faire la riposte. Quel dommage. Bam. Ah, mais il pouvait tout faire, quasiment. Trop fort. Peut-être débloquer une compétence avec lui aussi. D'ailleurs. Après j'ai pas... Bah, j'ai redébloqué les compétences avec la furie. En fait, du coup, j'ai dû redébloquer les trucs. Parce que ça m'a... Voilà.
J'ai dû refaire, mais bon. Donc je suis à un niveau de plus là. Enfin, je suis niveau 6, je crois. Ou 7? Non, 6. Non. Déni d'atteinte. Donc pas le droit aux compétences. Ouais. Donc là c'est elle qui va être emmerdée. Elle aussi. 3 PV. 8. Il a un... Non, il a pas de Death Door. Donc on l'oublie. Alors, le problème c'est que j'ai absolument pas fait gaffe à qui m'envoyait quoi dans la gueule. Donc non. Ah, du coup il peut faire que ça. Il mange pas des masses. Tant pis, on va le faire quand même. Aïe. Pourquoi il pouvait pas faire soutien d'ailleurs? Vu qu'il a la riposte. Il est trop fort. Ouais, bon, par contre, il a fait une crise. Bon, heureusement, ils s'entendaient bien. Du coup, ça tanque un peu. Enfin, ça tanque complètement, même. Donc, ce qui fait qu'ils se détestent pas. Et le plus important, au final, pour moi, c'est ça. C'est que ils se détestent pas le plus longtemps possible. Parce qu'à partir du moment où ils vont se détester, ça va être la fin. Enfin, ça va être très compliqué, quoi. Tu soignes. Pourquoi t'es pas mort, toi? Parce que t'as pas encore joué. Quand est-ce que... Qu'est-ce qui se... Pourquoi? Pourquoi il est pas mort? Bon, en attendant, toi, tu vas prendre des dégâts. A slow dissection. An unavoidable end. Ok. Bon, techniquement il est mort, mais on sait pas pourquoi il était pas mort tout à l'heure. Lui, enfin, il est toujours pas mort. The greatest test of all. Attends, on sait ce que tu vas faire. Oh bah il est stun. Oh, le stun ça va vite, hein. Dragged back from the brink. Ok, lui il est enfin mort. Donc en fait il avait juste pas joué du tout. Ou juste le premier coup qu'on part. Double coup fatal. Eh hey, mais il va y avoir une phase 2. Il est mort. Je me prépare au cas où une phase 2. On prépare au cas où il y a une phase 2. Bon là par contre j'en ai plus maintenant. Là on va soigner du stress. Lui tant pis. Il fera son dernier tour. An interminable conflict. La gueule. Donc là il prend 8 ans. D'accord. Allez, salut. Mais non, mais vous... Non. A little help impeccably timed. Là, tu vas pas râler et jouer avant toi. C'est bon. Donc là, on a détruit les chaînes. Each milestone makes the next road just a little easier.
push on to the inn. Rest and resupply await you. Learn from each attempt. Deepen your understanding. And victory will come. On a gagné. Je suis trop content. Putain, en plus, oh là là, mais tellement de... J'ai débloqué... Oh yes. Bon bah parfait, je pourrais vous faire... En vrai, je vous ferai sûrement une nouvelle run aussi. Bah là, du coup, bon, je vous ferai juste la vidéo le dernier boss. Yes. Enfin, le dernier boss. Pas du tout le dernier boss, juste le boss, quoi. Voilà. C'est la montagne, parce que ouais, c'est le dernier endroit, la dernière zone du jeu là. Parce que de ce que j'ai compris, en fait, il n'y a qu'un seul chapitre qui est sorti. Et parce qu'il disait qu'il comptait rajouter 4 boss, et il y a 4 autres morceaux de papier. Donc voilà. Bam. Pourquoi objectif accompli, c'est comme ça? Bon. C'est bon, on est trop bien. Et là, du coup, bon, alors j'ai débloqué plein de trucs. Permet chance d'appliquer une marque à chaque tour de combat, ça c'est trop fort. Attaque de feu moyenne, ouais c'est moins bien que mon truc de feu gros mais lourd mais bon. Peut-être que ça peut stacker. Prends l'ennemi fixe, ouais, soin important. Allez. Ouais bon, plein de trucs. Oh là là. Ouais bon, trop de trucs. Oh, trop de trucs. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai le droit à une cacahuète? Est-ce que j'ai le droit à quelque chose? Juste, on va quand même s'arrêter sur voir comment ils sont le lépreux et le jester et le bouffon. Qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Dégâts élevés autonomes. Ah mais oui, c'est vrai qu'il a un soin normalement lui. Il est où son soin? Je suis sûr qu'il doit être là. Ah non, même pas, on l'a de base. Moi oui, c'est vrai que c'est du soin de stress. Oh là là, en plus oui, c'est du soin de stress. Oh, ça va être trop fort ça. Oh là là. Oh là 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 là. Il manque plus que l'occultiste. Après du coup, ça peut laisser... Est-ce que les chaînes peuvent laisser présager qu'il y a qu'il y aura d'autres classes dans le jeu? Est-ce qu'il y a plusieurs chaînes qui font référence aux classes qui sont pas dans le jeu? Et c'est tout. Enfin voilà, la première chaîne, je suis pas sûr de son sens, vu qu'on avait l'impression de voir des squelettes. Parce que l'occultiste, il y est déjà. Et je vois pas trop. C'est le flagellant. Pas le fanatec. C'est le flagellant. Mais du coup, ouais, je sais pas trop. Mais bon, voilà. Donc, du coup, lui... du soin de stress aussi. Retire la marque et le blind. Ça, c'est cool. Endurance. Ça lui met le taunt. Ouais. Ça, c'est... Oui, ça retire les cadavres. Ça, c'est bien, du coup, maintenant. Étranché. Ah, et ça lui met 75 de blind. Je me suis demandé, du coup, je m'étais dit, mais comment ils vont faire pour représenter le manque de précision du lépreux? Comme ça. Après, tant il doit avoir sûrement un truc qui doit lui permettre de passer ça. Un sort qui lui permet de passer ça. Taillé, voilà, évidemment, hein, qui est pareil. Hein. Mais on est déjà sur du 6-12 de base, quoi. Après, bon, les persos font quand même moins mal, globalement. En tout cas, sur cette partie-là. Peut-être qu'après, peut-être qu'en passant de chapitre, je sais pas, peut-être qu'on pourra les améliorer plusieurs fois. Ou peut-être qu'il y aura de nouvelles mécaniques, enfin, peut-être que ça va être ajouté aussi au fur et à mesure des mises à jour. Je ne sais pas. En subissant des dégâts, plus 1% de dégâts. Ok. Il a attaque patience. Vengeance, ouais. Bon, je sais pas, bah après il faut voir ce que ça donne à améliorer. Et bien sûr, le bouffon. Alors là. Hey, Fokins. Ah, par contre, il faut que ses cibles soient à 50% de stress. Ok. Malade guerrière. Recul de 1, ok. Avance de 1. Ouais, bon, donc lui il va bouger. Hein. Lui il bouge, mais par contre, après, bon bah. C'est fort quoi. Dans mon avis, on va faire un truc genre comme ça. Tac. Indiscriminate science. Et en deux, ça. Je sais pas. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Ça peut être tentant. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur Darkest Dungeon 2, sur le boss de la montagne. Bon bah du coup, on...
Oh, on est niveau 12. Pouah. C'est niveau 15, je crois, l'occultiste. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, il a l'air stylé. Mais ouais, hein, c'est, on a débloqué plein de trucs. Donc, c'est trop bien. Voilà, ça devrait faciliter aussi nos runs à venir. On a réussi à battre le boss de la montagne, donc ça je suis content. Du coup, en plus, j'avais vraiment rien vu de ce boss-là. Et voilà. Et en vrai, je le trouve plus facile que l'un des boss. Le boss, en gros, c'est un boss du Dédale. Bah dans l'antre, mais des espèces de chevaliers à la Dark Souls, là. C'est un gros chevalier avec une sorte de tentacule derrière. Il m'a détruit. Parce qu'il te met des persos dans un état de un état végétatif en mode ils peuvent juste plus mûrir en mode et puis bah du coup en fait après bah c'est full loose, c'est juste loose, tu vois tes persos monter le stress et puis prendre 29 de dégâts dans la gueule, t'es en mode ok bon donc ouais voilà, c'était un gros combat mais bon bah du coup c'est bien. Après alors c'est bien mais là j'ai réussi à faire ça, j'aurais pas réussi à le faire si j'avais eu que 4 persos, vu que c'est grâce au fait que j'ai eu 2 autres persos en plus que ça s'est bien passé. Et le fait en plus d'avoir eu 2 persos en plus qui sont venus m'aider, ça a un peu reset mes relations. Ce qui faisait que mes persos n'ayant pas trop de stress, et je crois que ça a dû tomber à un moment donné où ils se détestaient pas trop. Du coup, ça a permis d'améliorer les relations avec Baristan, avec l'homme d'armes, avec Eligios, qui n'est pas feu à son arme. Alors du coup, on sait pas du coup ce qu'il advient des persos. C'est dommage que, bah du coup, je sais pas, il y ait pas de Hall of Fame ou un truc comme ça. Après, peut-être que pareil, ça va venir, peut-être qu'on aura des trucs en plus, parce que, voilà. Mais bon, en tout cas, je suis content. Je suis content, on a battu. On a battu le Darkest Dungeon 2, chapitre 1 de l'Early Access. Donc voilà, bon, il reste des trucs à découvrir, mais je pense qu'en vrai, je ferai sûrement quand même voir une run pour découvrir un peu le Jester et le Bouffon. Le bouffon et de l'épreuve. Après, c'est vrai qu'il y a l'occultiste. L'occultiste, en plus, a un heal et tout, c'est trop fort. Mais bon. Je sais pas. Après, voilà, je vais pas trop avancer pour qu'après, bon, je puisse découvrir un maximum de choses quand je ferai le jeu final. Sachant que, bon, de toute façon, il y aura des ajouts. Et à mon avis, il y aura sûrement Darkest Dungeon 1 qui sera fait d'ici là. Ah, attendez, peut-être que si je fais quitter le jeu et que je suis dans le menu principal, il se passe un truc de dingue. Non. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y aura un petit truc en mode Hall of Fame. Ou je sais pas. Genre, personnage, ils ont classe réussie, j'en sais rien. Mais bon, on a réussi. Voilà, c'est le plus important. Donc, moi, je vous dis... Prenez soin de vous, c'était Blue. Bye bye.